La neige étend son blouson blanc, on souffle sur le feu. Le joli sapin clignotant a des parfums d'enfants heureux. Mais petit Paul n'est pas content, l'air plutôt soucieux. Il a un problème important qu'on se doit de prendre au sérieux. Comment fait le Père Noël dans les pays chauds? Est-ce que ce sont des gazelles qui tirent son traîneau? Comment fait le Père Noël avec ses cadeaux? Y a pas de cheminée au Sahel, ni au Zaïre, ni au Congo. Les magasins s'allument en grand et on s'avoue ses voeux. L'hiver froid qui montre ses dents a des parfums de jours heureux. Mais petit Paul ne va pas mieux, les yeux plutôt brillants. Il pense à des gens malheureux et il demande à ses parents comment fait le Père Noël dans les pays chauds. Est-ce qu'il porte une ombrelle, des babouches et un chapeau? Comment fait le Père Noël avec ses cadeaux? Ils n'ont pas de chaussettes au Sahel, ni au Zaïre, ni au Congo. Son blouson blanc, on souffle sur le feu. C'est comme ça depuis 2000 ans, la planète se partage en deux. Aujourd'hui petit Paul est grand, mais il n'en sait pas mieux et ne sait quoi dire aux enfants qui lui demandent un ton curieux. Comment fait le Père Noël dans les pays chauds? Est-ce que ce sont des gazelles qui tire son traîneau? Comment fait le Père Noël dans les pays chauds? Est-ce qu'il porte une ombrelle, des babouches et un chapeau? Mais qu'est-ce qu'il fait le Père Noël avec ses cadeaux, alors que les enfants du Sahel voudraient juste un peu d'eau?